Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty, Modern Warfare 3, consacré à la découverte de la toute nouvelle map Drive-Thru, un fast-food plongé dans une ambiance horrifique. Ça donne envie et je pense vraiment que ça va être le gros point fort de cette map. Son ambiance, après il faut voir également ce que ça va donner en termes de level design. Ce qui est sûr c'est qu'on est en élimination confirmée, et ça c'est plutôt plaisant. Et on va donc jouer avec la STG 44 fraîchement débloquée dans le pass de combat. Elle est de toute beauté, donc ça tombe bien. Ah bah moi j'étais déjà sur place, mais eux, ils sont venus sur place, hein. Ouais mais j'étais pressé de manger, tu vois, dans ce fast-food qui m'a l'air incroyable, donc ça peut se comprendre, hein. J'ai pris un peu d'avance. Ah bah ici on est en Edwige déjà. Ah bah oui. Ouais, enfin bon, on va pas rester déjà en position d'attente alors que la partie vient littéralement de commencer. Je sais que des joueurs seraient prêts à faire ça, mais j'en ai point l'envie de mon côté. Par contre, il y a des plaques à aller chercher, hein. Ça c'est sûr, mais il y a aussi des ennemis, je pense, qui vont venir vous chercher, non? Ok. Ouh là 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 là. Voilà, déjà c'est assez particulier, t'as le carrousel du coup qui tourne. Donc ce qui fait que finalement les covers échangent, hein. C'est assez particulier effectivement. Ah! Hop, petit ennemi ici. Oh non, vas-y! Oh, t'es sérieux, il y avait le sniper là. Eh, pourtant, j'ai passé en mode toute vitesse hein, avec la glissade, mais bon, je crois que ça n'a pas suffi. Hein. De toute façon, vu qu'on est en EC là, va falloir essayer quand même de débloquer des streaks, hein, ça va être l'objectif. Hein. On en a la possibilité en tout cas dans un tel mode, donc va falloir. Maintenant, faire bon usage. Oh, le clown, il m'a fait peur. Premier degré. J'ai cru que c'était un ennemi en tout cas. Hein. De toute façon, là, c'est après un game de la journée, donc on va commencer tranquillement, mais faudra monter en puissance. Hein. Ah bah tiens, là, c'est là où se trouvait le sniper qui nous avait éliminé. Ah, du coup, t'as ce head glitch là de chaque côté, j'ai l'impression. Hein. Derrière, comme ça, la palissade, ça peut être pas mal avantageux. Hein. Ce côté-là, par contre, tu l'as pas, du coup. Mais de l'autre côté, tu l'as, du coup, dans les deux sens. Et de ce côté-ci, tu l'as quand même dans un sens, mais... Ah ouais, ça, je sens que ça va être pas mal squatté, hein. Parce que ça te permet quand même du coup d'avoir une ligne directe sur bah, l'autre côté de la map. Donc avec un visuel comme ça bien dégagé, tu peux en tirer quelque chose, hein. C'est évident. Ok, hop. Le petit drone, et ça arrive justement. Bon, ça va peut-être passer ruelle aussi. Ici même. Voilà, bon les plaques par contre on va pas les chercher malheureusement. Et pourtant j'en aurais grand besoin pour débloquer les streaks, on le sait. Je crois que je vais surtout faire un backup, mais c'était peut-être déjà trop tard finalement pour le backup. Ouais, parce qu'il y avait tous les ennemis là. Hein. Ah bah. En même temps, regarde ce spawn. J'aime bien ça, spawn avantageux quand même. Hop. Oh merde, non, 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 mais je voulais pas. Putain, ça a monté automatiquement sur le véhicule. Pensez vraiment que c'était mon souhait de faire ça, de mourir délibérément? Non, je ne pense pas de mon côté. Ah mais les spawns c'est chaud parce que regarde on spawn directement auprès des ennemis là. Hein. Oh là là. Ah y a pas de transition hein, c'est transition brutale surtout. Hein. Faut être aux aguets comme jamais. Enfin, je sais pas ça si c'est propre du coup à l'EC ou si ça va être le cas dans tous les modes de jeu mais les spawns sont très énervés. Ça c'est sûr. Oh putain j'ai pas rechargé ma STG, c'est bon. Ok. Oh, heureusement qu'il y a eu l'allié là. Parce que sans lui, je pense qu'on était bloqué dans notre rechargement et que la mort était inévitable. Hein. Ok. Là, il y a du passage aussi. Oh, vas-y, non, dommage. Dommage, dommage, dommage. Il y a clairement moyen de les avoir les streaks. Hein. Pour l'instant, ça n'aboutit pas, mais bon, on est encore qu'au début de partie. Hein. Tranquille ou normalou. Ça passe dans le fast-food, là. Bon, attends, on va essayer de rentrer. Hein. Ouais, bon. Lui, à chaque fois, il nous ratait quand on était au corps à corps. Là, il nous a pas raté. Avec son tromblon, du coup. Son morse tromblon. Est-ce que je tente d'y aller? Non, je pense qu'on va attendre un peu là. Il y a un visu dégagé surtout. Ah, spawn back! Ah, c'est traître hein! Parce que du coup, ouais, les spawns ils tombent facilement, regarde. Moi j'arrive facilement aussi derrière eux donc. Faut vraiment être prêt à avoir des ennemis un peu de partout sur cette map. Hein. Mais les spawns traîtres, eux, je pense qu'ils vont être omniprésents. En tout cas, sur de l'EC, c'est le cas. C'est vrai que ce serait sûrement moins le cas sur de la domi. En stratégique, par contre, j'en suis vraiment pas sûr. Mais sur de la demi, oui, ce serait sûrement moins le cas si les drapeaux, tu les gardes fixes aux mêmes endroits. Bon.
Ça devrait être un peu plus stable niveau spawn. Oula, là par contre ça va pas être stable hein. Vu le monde qu'il y a. Il va sûrement arriver d'ailleurs. Bingo. Il y en avait également je crois dans le fast-food là qui sortait. Hop, petite position. Ce qui est chiant c'est que je fais trop de kills à distance là qui me permettent vraiment vraiment pas d'avoir les plaques hein. Oh bon lui je l'ai même pas vu, lui il m'a tué. Et les plaques pourtant elles me sont chères tu vois. Je veux aller les prendre mais. Là les situations ne sont pas les plus faciles à gérer pour aller les obtenir à chaque fois. Oh le carrousel là qui tourne à chaque fois vraiment c'est très déstabilisant. Ah vas-y venez me chercher, bien joué. Alors quoi par contre. Hop là. Accrochage mural. Bah ouais on lui met un petit wallbang à celui. Oulala. Je vais pas rester là moi. Ça arrive. Oh là là. Je joue beaucoup en plus au snipe en face hein. Ce qui pourrait nous réussir dans un sens tu vois si on allait chercher au corps à corps et qu'il se foirait. Mais du coup à distance en fait limite on n'a pas le temps de voir que la balle est déjà dans notre corps hein. Ouais bon là je crois que ça va pas arriver de toute façon. Ah on est que à mi-chemin. Ah oui ils ont mis un gros score quand même du coup. Parce que élimination confirmée sinon c'est pas autant hein. Oh, oh bah la partie je crois que limite elle va se terminer autant vu comment que c'est hein. Le score là. Bon, on va peut-être tenter une approche là même si je sens que ça va encore spawner en masse. Je vais rien avoir le temps de faire. Mais bon faut tenter ce qu'il y a à tenter hein. Et encore ça a pas l'air si finalement occupé. Oh putain la petite double en plus là. Il y en a peut-être encore. Je sais pas si le spawn il est cassé ou s'il est maintenu. Ouais bon ça pue. Bien joué l'allié. Hop on récupère la petite plaque. On va peut-être se mettre en position là. Et encore je pense que ça peut arriver par ici aussi hein. Je sais pas trop. J'ai peur des snipers surtout. Encore et toujours. Mais on va rester je pense sur cette position pour l'instant. On va pas prendre plus de risques. Ça va arriver par là de toute façon hein. Ouais regarde. On va aller chercher la plaque. Et on a l'hélico, bonne nouvelle. Bonne première nouvelle. Je vais t'empaumer mort. Comme jamais pour aller chercher la dame maintenant. Ça va être la stratégie hein. Que veux-tu. D'assistance là en plus on a la plaque. Bon, la plaque on va la laisser à l'allié. C'est lui en même temps qui a obtenu le kill. C'est lui qui la mérite le plus hein. Oh l'hélico par contre. Ouais si voilà, fais pas. Quoi. Ils ont déjà détruit mon hélico. Ah bah non. Ah mais ça c'est pas fun par contre. C'est l'abattage du fun en fait. En plus de l'abattage de l'hélico. Donc c'est à dire que si j'ai potentiellement un adav il fera pas plus son feu hein. Bah vous êtes vraiment pas drôle hein les adversaires. Avec vous on ne peut pas s'amuser si je puis dire. Ok, on a la dave. Allez, est-ce que la dave apportera un peu plus de fun dans cette partie où la mort du fun est vraiment actée à 100%. Dans une map aussi fun, je ne peux pas le concevoir. Eh oui, sourifique et tout, faut le dire, mais en même temps, c'est fun aussi. Il y a des clowns. Forcément c'est fun. Oh putain, alors ça, je sais pas d'où ça sort, mais c'est sorti. Hein. Ouh là là, le coup de corps à corps là. Surtout qu'on est en série 11, je crois, là. Et ils ont des trucs comment surtout mon hélico si rapidement. Moi c'est la question que je me pose hein. Mais si l'on fait avec l'hélico ils sauront très bien le faire avec la dave hein. Ça je n'en doute pas vraiment. Donc ouais pas terrible. Attends what. J'étais vraiment pas dessus. J'ai cru que c'était bugué mais non vu que la fille a très bien réussi à le tuer. Ouh là là. Mon shoot était catastrophique je crois bien. Bon en tout cas par contre la dave tient le coup. Il a fait déjà quelques kills donc ça va. Bon là il aurait fallu le déplacer mais je crois pas que ouais je vais pas avoir le temps parce que ils l'ont détruit entre temps c'est pour rien. La map est très sympa hein, niveau ambiance, de toute façon ça je le savais même avant de la lancer que ça allait être extraordinaire. Mais la structure est ma foi intéressante, c'est un carré tu vois mais. Qui se joue du coup tout autour du fast-food, mais il y a des choses intéressantes, genre le carrousel qui tourne. Je trouve qu'en termes de gameplay, bah c'est quand même un. Très intéressant parce que du coup ça fait que la structure elle bouge et que les covers sont jamais les mêmes de ce côté là en tout cas de la map. Donc ça par contre c'est très très original hein.
limite, ils auraient même peut-être, je sais pas, mis un bouton d'interaction en mode, tu sais, tu désactives ou actives la mobilité du carrousel. Bon, c'est chaud du coup, parce que avec la cover comme ça qui bouge, pas fort, c'est pas facile du coup de target les ennemis. Hein. Ok. Mais ça, je crois que c'est limite le petit coup de cœur de la map, c'est le carrousel là. C'est tellement original que moi je suis conquis par cette idée de gameplay. On a le petit drone. Oh, la musique là en plus. Oh. Oh. Tiens, attends, lui. Hop là. Je sais pas si t'as FK ou autre, hein, mais bon. Voilà, c'est bon, j'ai eu ma petite vengeance aussi avec le Desert Eagle. D'ailleurs, regardez le camouflage Orion. Ils l'ont changé. Il brille maintenant dans le noir. Voilà, ça je vais vous le montrer aussi. Bon, la grenade par contre, voilà. Elle m'a pas fumé, hein. Là par contre, je suis mort, c'était sûr. J'étais bloqué. Mais ouais, il est beau mon petit Desert Eagle là avec le Orion. Même si moi j'adorais déjà le Orion, mais maintenant, il est encore mieux. Oh, que dire, c'est magnifique. Bah 46 kills pour une première game. 46-17 même. Bah mal du tout, hein. C'était la première game de la journée en plus, donc zéro échauffement auparavant. Première partie, par la même occasion forcément, sur Drive-Thru. Donc non, plutôt convaincu. Et quoi? Par contre, je suis déjà niveau 1052 alors que j'étais 1050. On a passé deux niveaux en une game. Oh, c'est plutôt royal. En même temps, j'ai cru voir des petits défis d'eau qui sont passés par là, donc je crois que c'est ça surtout qui m'a permis booster autant. Mais même le pass, attends, on a passé un niveau de pass, mais... Mais qu'est-ce qui se passe? Tout est surboosté en ce début de saison 6. J'aime bien ce concept. Continuer comme ça jusqu'à la fin de saison, ça m'ira très très bien. Ouais, donc non, vraiment une map plutôt convaincante. Bah, il y a un peu, tu vois, l'esprit de Fog. Hein, je suis obligé de toute façon de faire une référence à Fog, hein, de Call of Duty Ghost, où justement on retrouvait Michael Myers en killstreak spécial. Il y avait ce côté très très horrifique. Alors du coup, c'était quand même différent. Parce que là, c'était plutôt dans les marais avec un chalet abandonné. Là, bon, t'es quand même en pleine ville, mais il y a un côté quand même très horrifique. Et là, je pense qu'on va encore voir davantage de détails en allant en partie privée sur Drive-Thru. Mais oui, il y a clairement ce côté horrifique lié du coup potentiellement à Michael Myers. C'est vrai que dans ce genre d'endroit, il pourrait agir Michael Myers. Là, il serait un peu chez lui, à domicile. Ce serait plutôt parfait. Mais non, c'est très très sympathique avec ce fast-food du coup en plein milieu. La structure, mais limite la structure, je pourrais la comparer, mais du coup en encore plus petit, quoique, non, peut-être taille similaire, mais à la map Babylone de Black Ops 6 qu'on avait sur la bêta, où pareil, en termes de structure, c'était un carré. Tout du coup se jouait sur le middle, même si bon, le middle là, c'était pas un bâtiment, c'était juste bah, un carré, encore une fois, tu vois, il y avait rien de plus. Mais là, on peut dire que l'équivalent de ce carré, c'est du coup le fast-food, et tu vois, tout autour, du coup, effectivement. Bah tu vas avoir ces zones de fight qui sont un peu quand même segmentées, comme c'est le cas d'ailleurs aussi sur Babylone. Donc c'est un peu dans le même esprit, et je pense qu'effectivement, niveau taille de map, on n'en est pas loin, donc bah c'est pas une mauvaise idée, tu vois. La coïncidence quand même est plutôt grosse, d'avoir deux maps comme ça similaires, mais je pense que c'est vraiment qu'une coïncidence. Mais pour le coup, Drive-Thru vis-à-vis en tout cas de cette première partie, avec en plus du coup un mode où on n'avait vraiment pas des spawns fixes, moi je suis convaincu, je pense vraiment que ça peut être une map à haut potentiel. En mêlée générale, elle peut être très très intéressante aussi à jouer, même si bon, ça faudra le tester un peu plus tard. Mais ouais, pour du coup une dernière map pour ce Modern Warfare 3, vu qu'effectivement oui, c'est la toute dernière map, nouvelle map en tout cas qui sera ajoutée au jeu. Bah, je trouve qu'il termine très très bien, ambiance parfaite, structure prometteuse, c'est ça qu'on veut. Et on va du coup aller voir tout ça davantage en partie privée avec une petite visite guidée. J'ai une faim de loup, ça tombe bien. Direction le fast-food. Et pour bien commencer, voyons voir la carte tactique de Drive-Thru. Effectivement, on peut constater que tout s'organise autour du fast-food, qui est le point central de cette map. C'est là d'ailleurs qu'on va plutôt avoir les confrontations à courte distance, au corps à corps. Et après, tout autour, t'as les ruelles, où là plutôt, ça va jouer à longue distance, surtout du coup avec les fonds de map qui sont vraiment à part au final, parce que c'est là où tu vas avoir des bonnes covers avec les palissades. On a surtout vu qu'il y avait des bonnes zones des ditches de ce côté-ci. Bah t'as cette zone là, t'as cette zone là, et du coup de l'autre côté c'est ici qu'on va du coup jouer ces magnifiques head glitch à longue distance. Enfin magnifique, ça dépend si c'est toi qui les inflige ou si c'est toi qui les prend, question de point de vue. Mais ouais, du coup une structure des plus classiques, mais
qui a quand même l'air de très très bien fonctionner. En tout cas, en élimination confirmée, il n'y avait pas grand-chose de négatif à dire à ce niveau-là. Maintenant, voyons voir un peu plus en détail l'ambiance de cette map. Oh bah, ça commence déjà, lui, tu vois, je l'avais pas vu, le petit clown à la fenêtre là. T'arrêtes de nous observer, oui. Parce que t'as l'air sympathique comme ça, mais. Est-ce que tu cacherais pas un couteau derrière toi? C'est fort possible, hein. Oh, même là, tu vois. Ah, mais c'est vraiment une ambiance full creepy, mais. C'est ce qu'il nous fallait, tu vois, vis-à-vis, bon, d'Halloween qui approche, hein, c'est la saison en même temps d'Halloween, donc ça colle parfaitement à la thématique. Et en même temps, bon, la présence des clowns aussi, hein, ça permet de rajouter de la frayeur par-ci par-là, surtout pour ceux qui ne sont clairement pas fans des clowns. Et il y en a. Oh! Oh, il y a même des voitures qui passent. Ça, par contre, c'est rare, tu vois, qu'il y ait de l'activité en dehors de la map. Ouais, bah, vous arrêtez pas, parce que ici, il y a potentiellement des dingueries, hein. Le Funny du coup Fright Fun, donc ça c'est le nom du fast-food en l'occurrence. Non, parce que tu vois, ils auraient pu prendre le même fast-food que d'habitude, c'est-à-dire le fameux Burger Town avec Bubby notamment. Mais là, ils ont vraiment pris, tu vois, une enseigne à part avec ce fameux clown. Limite, même là, tu peux voir une référence à la map Sideshow de Advance Warfare, premier DLC d'Advance Warfare, où c'était un hôtel avec du coup un clown encore qui était mis en avant, c'était un peu la marque du coup de l'hôtel, ce fameux clown. Voilà, tu vois, c'est la même chose, mais du coup avec cette fois-ci un fast-food. Et vu que c'était Sledgehammer qui était derrière cette show, je pense que c'est des grands fans de clowns, hein. Il n'y a pas d'autre raison. C'est très clairement ça. Hein. Donc si on va du coup à l'intérieur de ce dernier... Ah mais là d'ailleurs c'était vitré, j'avais même pas fait gaffe. Regarde, c'est vitré ici. Bon, ça change absolument rien, mais je tenais quand même à le constater, hein. J'ai vu d'ailleurs que ici t'avais un petit easter egg au niveau du carrousel. Si t'as 4 joueurs qui vont sur les sièges, normalement ça active. C'est un feu d'artifice ou je sais plus quoi, mais ça active quelque chose. Bon là, je suis tout seul, donc malheureusement, je vais pas pouvoir du coup réaliser ce petit easter egg, mais c'est intéressant du coup à notifier. Le fameux clown ici qui peut nous surprendre, et on peut croire d'ailleurs parfois que c'est un adversaire, pourquoi pas, surtout que bon, il y a des skins de clown sur le jeu, donc attention, hein, on peut confondre. Hein. En tout cas, ça n'a pas l'air très très sale, très très sanitaire hein, dans les parages. Là, t'as même le kebab et tout. Oh, ouais. Même si regarde sur le dessus, limite, on dirait une ruche d'abeilles. C'est pas incroyable du tout. Non, mais je crois que c'est un lieu quand même qui a été abandonné depuis un petit moment, au vu de l'état. Après, bon, c'est même l'état ambiant. Oh, attends, qu'est-ce que c'est? Punaise, il y a vraiment. Non, mais je vous jure que je savais pas. Je vous jure que je savais pas quand j'ai dit que ça aurait été bien de mettre un bouton qui permette d'arrêter ou de réactiver du coup le carrousel. Il y en a vraiment un. Bon, bah, cette map c'est un 20 sur 20, du coup là c'est bon. C'est la masterclass assurée avec ça. Hein. Mais jure! Mais surtout que tu vois, du coup, sur la partie qu'on a fait, à aucun moment je l'ai vu arrêter hein, le carrousel. Mais je pense qu'en fait tu passes à côté du bouton vu que là il est dans un coin et j'aurais même pu passer à côté là durant cette petite visite guidée donc Oh non mais c'est trop bien du coup, on peut l'arrêter. Et du coup ça veut dire que tu peux l'arrêter aussi on va dire à une position spécifique ou peut-être par exemple ici tu vois tu peux avoir le head glitch ou alors pas du tout mais Oh ça c'est trop trop intéressant du coup, bah ouais, ça change absolument tout. Bah tu vois je l'ai évoqué et finalement c'est bel et bien présent sur cette map hein. Ah, mais en tout cas, c'est l'une, je crois, des meilleures ambiances de map qu'on ait sur ce Modern Warfare 3. Hein. Oh, même là, t'as les cadavres, du coup. Oh là 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 là. Ça, limite, c'est le repère de tueur en série. Et quand je dis limite, je crois que c'est même le repère, en fait, hein, de tueur en série. Au vu de comment que ça se présente. Là, du coup, bon. Quel était ce bruit? Oh là 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 là, c'est vraiment horrifique. Mais là, du coup, ouais, comme on le disait, on a le head glitch avec en plus hein, la possibilité, comme ça, de se mettre en tir monté. Donc là vraiment t'as une bonne option, c'était la même chose de toute façon de l'autre côté hein, comme on l'avait vu au niveau ici du coup de ces bennes à ordures. Donc là la même chose même si bon peut-être un peu plus compliqué avec justement le carrousel qui bouge et donc un visuel qui va être beaucoup moins dégagé et beaucoup plus aléatoire par la même occasion. Là du coup bon t'as un petit passage, ici tu peux avoir quand même une petite cover tu vois c'est vrai, j'ai pu le constater même si je l'ai pas forcément utilisé mais là... Là, c'est vrai que tu vois, les ennemis qui sortent du spawn, tu te mets là, t'es un peu cover. Bon, je pense qu'après, là, les palissades absorbent pas beaucoup les balles, donc ça passe facilement en wallbang, mais c'est important aussi à notifier. Bon, là, t'as le petit passage, du coup, qui te permet d'aller directement, du coup,
Au fond de ce spawn. Putain, encore un clown, c'est pas possible. Ils sont partout. On ne sera jamais tranquille. Là, du coup, limite, c'est le côté drive. Quoique, non. Parce que c'est pas que c'est cuisine, mais on aurait pu croire la petite fenêtre, limite, aller côté drive. C'est bizarre, d'ailleurs, comme organisation d'avoir un carrousel comme ça sur le côté du bâtiment, quand même, en termes de structure. J'avoue, c'est trop, trop bizarre, mais. Pourquoi pas après, hein? C'est peut-être ça qui a provoqué la faillite du fast-food. On pourrait se questionner. Et après, bon, il y a sûrement d'autres clowns qui sont cachés par-ci par-là, je pourrais le supposer. En dehors de lui, hein, évidemment, mais bon, je ne les ai pas forcément vus, en l'occurrence. Mais vraiment, la map, ouais. Je pense que c'est un petit banger sur, du coup, laquelle je vais beaucoup aimer jouer pour ces dernières semaines de Modern Warfare 3. Limite, c'est dommage, tu vois, que c'est une map qui arrive aussi tard, parce que bon, on n'aura pas tant que ça, finalement, l'occasion d'en profiter, mais. Très 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 sympathique je trouve hein. Tiens je vais essayer de caler justement les. Même si ça s'arrête pas tout de suite, c'est ça le problème en fait. Oh ça va. Mais là du coup tu peux avoir le glitch même si là du coup. Non finalement il va pas aboutir à grand chose celui-ci hein. Là c'est pas encore très très bien placé. Mais du coup je pense que je m'amuserai parfois effectivement à arrêter le carrousel quand je serai in-game. Parce que ça peut vraiment ajouter un petit truc et à mon avis quand tu l'arrêtes en fait ils ont même pas l'occasion après. De le remettre en marche parce qu'ils pourront même pas savoir comment faire. Hein. T'as même là le petit avis de recherche pour le chien. J'espère que c'est pas un clown qui l'a kidnappé, mais bon. Je serais pas fort étonné si c'était réellement le cas. Hein. Ce serait pas la surprise du chef, hein, si je puis dire. Hein. Donc voilà, ouais, pour ce petit. Cette petite balade dans les ruelles autour du fast-food, le funny fright fun qui est tout sauf funny. Non, 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 il est vraiment plutôt horrifique. Mais. En même temps, c'est assez accueillant quand même. Hein. Oh, encore le véhicule qui passe là. Oh, il a pas l'air très pressé, donc il doit pas avoir peur. Hein. Parce que là, de toute façon, ça paraît pas abandonné. Mais ici, par contre, là, c'est le lieu où il faut pas venir. Hein. Très, très clairement. Bon, bah, j'espère du coup que cette découverte de la toute dernière map inédite de ce Modern Warfare 3 vous a plu. Drive through. Si c'était le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes. De commentaires et de partages, ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense, bien évidemment. On se retrouve du coup très très vite pour d'autres vidéos, que ce soit sur ce Modern Warfare 3 ou sur d'autres jeux. Allez, bye tout le monde! Oh yeah!